Charme Savard 2020. Alors, je me présente, Laura Sophie, présidente de ce BDE, et nous avons dans notre équipe... Bonjour, je m'appelle Valentine et je suis dans le pôle communication du BDE. Bonjour, je suis Julie et je suis la secrétaire du BDE. Bonjour, je m'appelle Bérangère, je suis la vice-présidente du BDE. Et moi, c'est Léa et je suis trésorière. Voilà. Donc, c'était très important pour nous de relancer ce BDE pour permettre à l'école d'avoir de nouveaux événements, de participer à des sorties, des activités inter-écoles. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi créer une véritable union au sein des élèves. Et voilà notre principale mission de cette année pour le BDE. Du coup, c'est un tout jeune BDE qu'on a créé toutes les cinq, mais on a vraiment besoin de vous tous en fait pour vraiment que ça fonctionne, parce que comme disait Laura, c'est une union qu'on veut créer avec tout le monde. Et donc là, on s'y prend un peu en fin d'année, en milieu d'année. Du coup, on va vraiment commencer petit à petit pour vraiment que déjà qu'ils se fassent connaître, qu'ils se fassent essayer de faire deux, trois petites choses, qu'ils puissent des activités, voilà, que ça bouge, de motiver les élèves. Exactement. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir créer un BDE solide, avec des bases solides, qui puissent perdurer en fait au fil des années, et que chaque année, de nouveaux présidents, de nouvelles secrétaires ou secrétaires, etc., se montrent, et que vraiment cet ensemble perdure au fil des années. Le BDE, avoir une passation, l'idée de parrain marraine pendant les années, en fait, dans le cursus, les deuxièmes années qui parrainent les premières années. Pour que en fait, tous les élèves puissent se connaître et avoir une vraie solidarité au sein de l'école et une bonne ambiance par le biais de différentes activités, comme tu as dit, des soirées, des expositions, des bons plans, des sorties, des voyages. Exactement, en préparation. Et du coup, pour le début, on a vraiment besoin de vous, de votre soutien et de votre confiance, entre guillemets, parce que ça va commencer petit à petit, parce qu'on a tous le même travail que vous, on va y aller vraiment petit à petit, mais pour ça on a vraiment besoin que vous soyez présents et que vous soyez là pour vous participer. Faites-nous confiance. Et laissez la chance au BDE de s'imposer cette année. Franchement, on ne vous décevra pas. Croyons-nous. On est toutes les cinq en deuxième année dans le cursus designer de mode à l'atelier Charmant Savard. Pour l'instant, on n'a pas d'option particulière, la spécialisation se fera en troisième année. Il y a une très bonne ambiance dans la classe, après on a donc différents cours, donc du modélisme, du stylisme, textile, de l'illustration, l'infographie, etc. On essaie vraiment d'apprendre à créer des collections, à créer une inspiration autour des mood boards, notamment en style. Et après en modélisme, on réalise toutes les pièces sur lesquelles on va travailler justement. On parle au biais de projets sur la chemise, sur le short, le pantalon. On apprend en fait différentes techniques pour qu'ensuite, à la fin de l'année, on puisse créer notre propre défilé qu'on va organiser par classe, avec un thème imposé. Mais la deuxième année, ce qui est très bien, c'est que c'est une année très polyvalente. Il nous prépare à beaucoup de choses, justement pour qu'on puisse choisir et ne pas se tromper dans nos spécialités de l'année prochaine. Et donc je pense que la deuxième année, c'est peut-être la plus adaptée pour laquelle on voulait créer BDE en même temps. Parce que la première année, on découvre, on a nos marques. Exactement. Et la deuxième année, c'est peut-être là où vraiment on a envie de laisser, comme on sait, à laisser une empreinte en fait, dans l'école. On a vraiment assez de temps. Personnel, c'est ça. On s'investit. Ça, en troisième année, le BDE sera prêt. Toutes les personnes de notre promo et il y aura une vraie passation qui se fera l'année prochaine.